Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. C'est vraiment l'alliance de la beauté et de l'intelligence, quelque part. Dans le sens où les graines, en fait, on voit bien qu'il y a des poils là, sur les graines. Ça permet à la graine de voyager, d'aller conquérir de nouveaux espaces. Et après, sur la graine, il y a aussi quelque chose d'assez particulier. Vous voyez la graine, donc la partie renflée où il y a la graine à l'intérieur. Il y a un petit tortillon là où il y a les poils. Et ce petit tortillon, en fait, a un but. Son activité principale, ce petit tortillon, en fait, c'est de permettre à la graine, ce petit tortillon, on va dire, avec le changement d'hygrométrie, va se détendre et se retendre. Ce qui permet à la graine, tout simplement, de s'enfoncer dans le sol. C'est comme une vis. Donc la graine va s'enfoncer jusqu'à la moitié, pratiquement. C'est comme un petit ressort. C'est-à-dire que, là, vous voyez, si on tire dessus, voilà, ça a tendance à se détendre et à se retendre. Tous les genres de géraniacées ont ce type-là de... Chez le géranium vivace, on retrouve la même chose, chez l'érodium également, chez le monsonia et chez le sarcocolon, qui sont moins connus que les premiers. Voilà, donc ça c'est la marque de fabrique, on va dire, du géraniacé. On retrouve ça chez tous, et je trouve ça c'est génial. Souvent on retrouve des graines qui sont enterrées pratiquement en totalité. Ça m'est arrivé d'en voir même qui soient complètement enterrées. Je trouve ça génial.